vous écouter ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que, je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes deux premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines eh bien, ont porté ces deux romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour apprendre à dire non. En fait, j'adore vos questions, il y a vraiment euh, plein de choses dans ce que vous dites qui m'inspirent terriblement. Donc euh, merci pour tous ces thèmes, on, on va les voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons répondre à la demande d'Hélène et écouter sa note vocale. Bonjour Maude. Je ne pensais pas vous écrire au départ, et puis l'idée a fait son chemin. Merci beaucoup déjà pour vos livres et vos vidéos sur Facebook que je ne rate jamais. Dans plusieurs d'entre elles, vous avez abordé votre burn-out et j'aurais voulu creuser davantage le sujet avec vous parce qu'il y a quelques mois, j'étais en poste dans une entreprise, je faisais un boulot vraiment passionnant et j'étais très heureuse de ma carrière. Mais la crise du Covid a d'abord entraîné le chômage partiel puis des licenciements dans mon équipe. Ma charge de travail n'a fait que augmenter et ce qui était un travail idéal pour moi s'est transformé en travail euh, éreintant mais je me sentais redevable en fait parce que hum, la situation sanitaire était compliquée et mon patron se battait pour me garder. Alors dire non à une mission supplémentaire me semblait vraiment indécent au vu du contexte. Mais il y a eu beaucoup de missions. J'ai commencé par souffrir d'un lumbago, puis de grosses crises d'angoisse. Mon médecin m'a arrêté quelques temps, mais je suis vite retournée au travail. Et je me sens coupable de cet arrêt de travail qui a dû mettre mes collègues dans une situation vraiment, vraiment pas facile. Je travaille beaucoup, mais je n'arrive pas à rattraper le retard que j'ai accumulé, ni à dire non à mon chef. Je me laisse déborder et en ce moment, je m'oublie complètement. Alors, merci Hélène pour cette question, je le dis à chaque fois dans les podcasts, c'est souvent des questions que tout le monde se pose et moi aussi, Je en, encore malgré le fait que j'ai des clés, bah, ça m'arrive encore d'être dans cette contraction de ne pas savoir dire non. Et je vais vous partager ce qui m'a vraiment aidé à, à dépasser ce stade parce que j'ai vu à quel point finalement on pense que c'est beaucoup plus simple de dire oui. Bien sûr, pour plusieurs raisons. On veut plaire à tout le monde, on ne veut pas passer pour le méchant. Il y a mille raisons de, 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 de dire oui à tout. Le fait de vouloir être aimé, de, de ne pas trahir. De, de... Il y a aussi l'éducation hein, qui nous a habitués à être la bonne élève, le bon élève, et, et, et de répondre toujours oui pour aider les autres, etc. Parfois aussi, on a la culpabilité de dire non. La peur de blesser, la peur de faire souffrir. Enfin, il y a mille, mille raisons qui font que, bah, effectivement on a l'impression que ça nous demande beaucoup moins d'efforts de dire oui que de dire non alors qu'en réalité c'est tout le contraire parce que quand on dit oui alors qu'on n'a pas envie de le faire et que simplement par défaut de, de peur de ne pas savoir dire non ou de peur de ne pas arriver à dire non eh bien, on dit oui, qu'est-ce qui se passe Ça nous demande énormément d'efforts parce que derrière, on a euh, bah, tout à rattraper. Soit avoir des. Comme tu le disais d'ailleurs à l'instant, hein, Hélène, euh, bah, le fait de ne pas dire non, bah, tu te retrouves avec une masse de travail énorme. Du coup, bah, ça entraîne des maux physiques et puis du burn-out. Enfin, ça demande des, une énergie de dire oui qui est au-delà de nos forces. Et voyez bien comme. Le fait de penser que ça nous fera gagner du temps, ça nous fera euh, gagner de l'amour, ça nous fera gagner euh, un certain nombre de choses, bah, la réalité, comme je vous le disais, c'est tout le contraire. Ça nous détruit, on s'oublie complètement. Ou d'ailleurs même dans nos relations avec les autres, hein, ce n'est pas forcément du travail, ça peut être avec un ami, de lui dire oui tout le temps, de, euh, dès qu'il nous demande quelque chose, de lui dire oui, parce que si on lui dit non, on pense qu'il nous aimera moins, etc. Donc le, le sujet est le même dans tous les domaines. Donc la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de réaliser à quel point le prix à payer de ne pas savoir dire non est très très élevé. Et tu le dis très bien, hein, Hélène, dans ta lettre, qui est bah, au début, c'était un, un travail extraordinaire euh, dans lequel je, je m'épanouissais complètement. Et puis petit à petit, je me suis laissée un peu embarquer par euh, les projets, les projets, les projets. Et puis évidemment, on a toujours une bonne raison de se convaincre qu'on a bien fait de dire oui, parce que, bah, comme tu le disais, le Covid, euh, je me dois, alors que mon patron s'est battu pour garder mon poste, je me dois maintenant d'être euh, à la hauteur de. de Sauf que, bah, conséquence de tout ça, on se rend compte qu'à un moment, bah, on craque. Le corps craque parce qu'on n'est pas surhumain et on est juste des humains et c'est déjà pas mal. Mais euh, le fait de dépasser ses limites, bah, c'est catastrophique pour tout le monde. C'est catastrophique pour tout le monde parce qu'au final, bah, tu as été obligé de t'arrêter. Donc là, tu n'es même plus là du tout. Et puis, on va être obligé peut-être de te remplacer si tu tires trop sur la corde, etc. Et puis, finalement, tout devient plus compliqué pour tout le monde. Donc, ne pas savoir dire non, voyez bien que le prix à payer, c'est de, de vider toute notre énergie. Lorsque je dis oui, mais que je suis pas aligné et en phase avec moi, ben en réalité, je tue presque trois personnes. Je tue l'autre, je me tue moi-même, et je tue même la relation. Donc hein, les trois personnes, c'est l'autre, moi et la relation, évidemment ça distorce la, la, la relation, je me mens, je lui mens, et bah, de fait, euh, la relation est plus tout à fait juste, et il n'y a plus une relation de confiance comme j'aurais voulu qu'elle perdure. Donc la première clé, c'est de réaliser le prix à payer de ne pas avoir su dire non la deuxième clé c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non parce que ça c'est très compliqué aussi souvent on ne veut pas dire non parce que on a peur de faire souffrir tout comme on ne supporterait pas le fait qu'on nous dise non à nous or je me suis rendu compte vous verrez peut-être de, de l'expérimenter ça vaut le coup réaliser que Parfois, quand on reçoit un non, eh bien, ça nous permet de grandir. Moi, je l'ai vu, et d'ailleurs, je cite un exemple dans mon second roman. Un des personnages explique que eh bien, parce que sa mère lui avait dit non, elle n'était pas disponible pour elle quand elle était jeune, eh bien, elle a dû apprendre seule. On parlait de cuisine, elle a dû apprendre seule à faire la cuisine. Et le simple fait d'apprendre, si sa mère lui avait dit oui de sa présence tout le temps, tout le temps, eh bien, elle n'aurait pas pu apprendre à réaliser ou à, ou à cuisiner en l'occurrence. Et en fait, on se rend compte que quand on nous dit non, et eh bien bien souvent, on peut se rendre compte que ça nous pousse, même si sur l'instant, bah, ça nous fait mal, on se sent rejeté, parce que ça c'est une histoire d'ego, hein, on s'en sent rejeté, euh, on a l'impression qu'on nous aime pas, si on nous dit non, c'est que c'est qu'on n'a pas assez d'importance, mais ça c'est une euh, interprétation de l'ego qui nous fait croire que quand on nous dit non, eh bien, on ne nous aime pas, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc parfois, pour avoir le courage de dire non, bah, il faut déjà reconnaître que quand on nous dit non à nous, ça nous a apporté quelque chose, donc ayez vraiment de la gratitude quand vous recevez un non. Donc voir les bénéfices pour l'autre, de la même façon, à lui dire non. Euh, si vous lui dites non, ça c'est la deuxième clé, hein, une fois que vous avez réalisé les bénéfices à recevoir un non, vous allez réaliser les bénéfices pour l'autre à lui dire non. Parce que naturellement, bah, il va s'améliorer, il va se lancer seul peut-être, se rendre compte aussi qu'il peut réussir seul. Donc ça va le challenger à aller sortir un peu de sa zone de confort et c'est euh, un vrai bénéfice pour l'autre aussi. Donc la deuxième clé, c'est de réaliser les bénéfices à recevoir un non. Et peut-être que vous aurez de vous des exemples, et je vous invite à les partager, des exemples sur le fait que quand on vous a dit non, et bien ça vous a poussé à travailler de votre côté, à grandir de votre côté et d'être celle que vous êtes aujourd'hui ou celui que vous êtes aujourd'hui. Alors la troisième clé que j'aimerais vous partager et qui est vraiment fondamentale, euh, en tout cas moi, elle a changé ma vie, euh, c'est que quand vous dites non à quelqu'un, vous ne lui dites pas non à lui, vous dites non à sa proposition. Et c'est vrai que pour vous, c'est pareil. Encore une fois, on a l'impression que quand on nous dit non, ben on se sent rejeté, on a l'impression de rejeter l'autre. Mais la réalité, ce n'est pas ça du tout. La réalité, c'est que dans l'instant vous ne pouvez pas répondre à sa demande. Par exemple, euh, je le vois, je, je reçois énormément de projets tous les jours, vous êtes vraiment très nombreux à vouloir m'insérer dans vos projets que je trouve absolument euh, inspirants, sauf que si je dis oui à tout le monde, euh, eh bien naturellement, moi, je ne peux plus aller vers mes projets, je ne peux plus continuer à partager euh, qui je suis et mes propres projets si je reviens à toi hélène sur le fait de, de parfois devoir dire non à ton patron c'est aussi pouvoir te centrer sur ce qui a du sens pour toi dans ton travail si tu dis oui à tout sous prétexte que tu dois faire le pompier de service parce que eh bien effectivement ton patron s'est battu pour garder ton poste etc eh bien voit bien que, que en disant oui à tout et même sur des choses sur lesquelles tu n'es pas compétente mais qu'est ce qui va se passer tu vas être payé pour apprendre des choses certes ça c'est toujours passionnant mais pour autant toute ta valeur ajoutée bah, va s'éteindre parce que tu n'auras plus le temps de faire ce pourquoi tu es complètement qualifié. Donc non seulement tu ne te rends pas service, tu ne rends pas service à ton patron, qui ne te trompe pas, hein, s'il a gardé ce poste et s'il s'est battu sur ce poste, c'est aussi... Parce que si c'est un bon patron, il veut bien faire tourner l'entreprise et que tu es la bonne personne pour ce poste-là. Donc, se mettre dans un, en défaut et dire oui à tout, bah, c'est priver l'entreprise de tes vraies qualités, de tes vraies compétences et puis euh, faire des choses qui finalement euh, vont pas amener plus de valeur ajoutée que ça, là où toi, tu aurais le temps de faire ton vrai métier qui va amener une vraie rentabilité à la société. De la même façon, si je reprends des exemples un peu plus larges, ce n'est pas vrai qu'au travail, quand vous dites non à quelqu'un parce que, je ne sais pas, quelqu'un vous demande de l'aide sur quelque chose, bah c'est peut-être de lui expliquer que bah, là, naturellement, vous êtes, je sais pas moi, exténué, vous ne tenez plus debout parce que vous avez travaillé toute la semaine et vous ne serez pas assez efficace pour l'aider. Mais en tout cas, pensez bien à cette troisième clé qui est, euh, quand vous dites non à quelqu'un, c'est pas lié à lui-même, vous ne le rejetez pas, mais plutôt lié à la proposition parce que votre vraie qualité, c'est de pouvoir... Amener vos compétences au bon endroit pour amener cette bonne valeur ajoutée. La quatrième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est que dire non, c'est pas instinctif. Et ça demande un entraînement régulier, régulier, régulier. Et plus vous le ferez, et plus ce sera facile. Au début, c'est bah non, je n'ai pas le droit de dire non, et puis je suis une mauvaise personne si je dis non. On a vu hein, toutes ces raisons euh, qui sont parfois difficiles à accepter, mais. Ça demande vraiment de pratiquer parce qu'on ne trouve pas forcément le bon ton. Et puis, on, comme on n'a pas osé, ben d'un coup, on balance un nom, mais il est un peu direct, il est un peu douloureux, il, est, il sort un peu trop rapidement. Et là encore, c'est normal parce qu'au début, on ne sait pas. On n'a pas appris à dire non. On a juste appris à être la bonne personne, la personne parfaite qui doit dire oui à tout. Le problème, c'est que plus on accumule, et tu as dû le voir, Hélène, hein, au bout d'un moment, euh, bah, tu n'as même plus besoin de dire non, c'est ton corps qui a lâché, c'est des mots qui sont arrivés, des limbagos, et au final, qu'est-ce qui se passe bah, Tu n'as même plus à dire non, ton corps a dit non. Et là, c'est beaucoup plus difficile parce que euh, bah, parce que tu, tu tiens plus debout. Quoi. Euh, les crises d'angoisse, c'est pareil, et là, tu ne peux plus donner qui tu es. Donc apprendre à dire non, ça demande dès le départ un entraînement et, et là je vous invite à par défaut presque dire non dans tout ce qui rentre pas dans ce qui a du sens pour vous parce que sinon ben, on pourrait passer sa vie à dire oui mais dans ces cas-là vous allez vivre la vie euh, de tout le monde et pas la vôtre. Donc rappelez-vous bien que c'est pas instinctif de dire non et on nous a pas appris à dire non alors qu'un enfant euh, rappelez-vous enfin en tout cas si vous vous rappelez pas parce que c'est assez jeune mais un enfant de 4 5 ans, il passe par le non. C'est non. Tu veux une glace Non. Ah oui, j'en voulais une, mais je dis non quand même. Et c'est non, non, non à tout. C'est non à tout parce qu'il a besoin à un moment d'inverser tout ce qu'on lui a appris de. Euh, bah, il faut être poli, il faut dire oui, tiens, fais un bisou à la dame, fais machin. Mais il y a un moment, l'enfant, il n'en peut plus. Et c'est avant tout un non pour revenir après, euh, à 7-8 ans, à un peu plus de oui et un peu plus de réouverture. Eh bien, cette phase-là, on l'a un peu oubliée. Et nous, on revient à. Bah, non, je, dirais, je dois dire oui à tout. Euh, là où effectivement je ne me respecte plus. Donc quatrième clé, hein, dire non, c'est un entraînement et ça demande de la pratique. Plus vous le ferez, plus ce sera facile. Et enfin la cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, qui est sans doute la plus importante pour moi, c'est que savoir dire non, c'est se dire oui à soi. C'est un acte d'amour envers soi, c'est un acte d'amour envers les autres, parce que quand on dit oui pour de vrai, on est complètement aligné avec qui l'on est et avec ce qu'on a à donner à l'autre. Quand vous direz oui à quelqu'un parce que vous en avez vraiment envie, et vous le savez, hein, quand vous dites oui avec le cœur, qu'est-ce qui se passe Vous êtes beaucoup plus disponible, beaucoup plus réactif, efficace, etc. Quand vous dites oui et que vous n'avez pas du tout envie, ben, qu'est-ce qui se passe vous, vous traînez, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas motivé. Et. J'aimerais euh, que vous observiez que l'intention de départ, eh ben, tu la retrouves toujours à la fin. Quand tu es vraiment dans ton oui, à la fin de ce que tu auras réalisé, de ce qu'on t'aura de qu demandé, il eh ben, y aura un vrai oui. Tu auras abouti à quelque chose, de, une réalisation qui est, qui est, qui est magnifique, qui est au bon endroit. Quand ton intention de départ, c'est je dis oui, mais en fait je voulais dire non, eh ben, qu'est-ce qui se passe Le résultat est toujours très très moyen. Très très moyen, voire même euh, pas très bon. Et là, je reviens à ce que tu disais, Hélène, sur ta lettre. Hein, j'ai dit oui, j'ai dit oui, mais je voulais dire non, en fait. Hein, C'est ce que tu nous expliques. Et au final, qu'est-ce que ça donne bah, Ça donne euh, que je suis au fond du lit, euh, mes crises d'angoisse, euh, mes limbago, et euh, Et au final, bah, j'ai donné encore plus de travail parce que j'étais plus au travail à mes collègues et je culpabilise, etc. Donc tu pars avec cette intention de départ de vouloir dire non. Tu dis oui. Réalité de la course, à la fin du bal, qu'est-ce qui se passe bah, C'est plutôt un non qui se passe, c'est-à-dire que tu n'es plus au bon endroit pour le réaliser. Alors qu'à l'inverse, si tu t'étais dit oui à toi et non à l'autre, qu'est-ce qui se serait passé Eh Bien, naturellement, tu aurais pu donner pour chaque projet euh, au bon endroit, dans la bonne énergie. Donc, savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Alors, je sais que c'est pas toujours simple de passer à l'action, hein, même si on le sait, c'est pas toujours simple. Et pour ça, j'aimerais vous donner. Euh, Quatre clés, quatre points qui moi m'aident beaucoup à, à savoir ce qui est bien pour moi. Parce que des fois je ne sais pas. Des fois je dis oui parce que ça m'enthousiasme et puis finalement je me rends compte que j'ai pas le temps. Que... Donc la première chose que je fais, moi, pour être bien alignée avec mes oui ou mes non, c'est de définir mes intentions. Soyez clair sur ce que vous voulez et ce en quoi vous voulez dire oui. Par exemple, moi je me dis, euh, quand j'ai lancé euh, mes livres, euh, il y avait plein plein de projets qui arrivaient, je me suis dit c'est génial, euh, tout converge dans le même sens, je vais dire oui à tout, comme ça au moins euh, je vais être vraiment dans ce flux. Et puis finalement j'ai commencé à dire oui à tout. Puis je me suis complètement épuisée au point que euh, bah, j'avais plus du tout le temps de faire ce que je voulais, dans ce que je voulais apporter aux autres. Alors je me lançais dans un projet euh, d'une association, un autre qui me disait génial, euh, on lance un marathon kilomètre zéro, est-ce que tu veux bien participer Et puis j'étais toujours par monts et par vos. Alors tout ça avait du sens, hein. je, je m'éclatais, sauf que le problème, c'est que je me suis retrouvée au bout de six mois à me dire, mais j'ai pas avancé d'un iota mes propres projets à moi parce que je suis toujours en train de dire oui à tout le monde. Donc la première chose, c'est de définir ses intentions. Soyez clair sur ce à quoi vous voulez dire oui. Et pour ça, bah, moi, je fais des listes, hein, liste des buts que je veux atteindre, des expériences que je veux, enfin, des expériences sur lesquelles je veux aboutir. Et puis prenez le temps d'écrire vos propres rêves, vos propres ambitions, vos propres intentions. Et vous allez voir que une fois que ça se sera écrit, bah, vous pourrez très vite dire Tiens, bah, tiens ce qu'on propose, ça rentre dans une de ses intentions, bah, ok, je vais y aller. Euh, à l'inverse, ça rentre pas dans, dans ces rêves-là ou dans, dans ces priorités, bah, qu'est-ce qui se passe Je vais refuser. La deuxième chose qui m'aide, c'est de prioriser mes engagements. Euh, là encore, je fais souvent une liste de projets à réaliser, et puis je note de 1 à 10 ce qui est prioritaire. Par exemple,. Ben voilà, tiens, je fais un podcast aujourd'hui. Si je le fais, c'est que c'est devenu prioritaire dans ma liste, alors qu'il y a d'autres sujets autour de mes livres qui viendront après. Mais il y a trois jours, j'animais un week-end des ateliers avec avec des gens, et donc ben le podcast venait après. Donc il y a trois jours, ma priorité, c'était plutôt de me focaliser sur cet atelier. Et donc, même si l'équipe du podcast m'envoyait des, des demandes, etc., ben je savais que si je répondais. À ces demandes il y a trois jours, ben, je n'aurais pas pu me focaliser sur ce qui était important euh, ces trois jours à venir. Quand j'ai fini cet atelier, ben, j'ai pu me reconcentrer sur ce podcast qui arrivait le lendemain et, et j'ai pu revenir à mes priorités. Donc notez bien chaque jour, priorisez vos engagements et faites une liste. C'est vrai pour du court terme, mais c'est vrai aussi pour euh, du plus long terme. Qu'est-ce qui est prioritaire dans le mois euh, Et vous allez vous rendre compte que en évaluant ça, ça ne veut pas dire que les projets ont moins d'importance, c'est juste que sur l'instant, si vous priorisez, vous allez pouvoir mettre votre intention sur, euh, et votre énergie sur ce qui a du sens. La troisième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est aussi de faire une cure numérique. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle de cure numérique ben, C'est peut-être de rationaliser un peu vos communications en ligne. Je voyais le temps que je passais, moi, sur les réseaux, sur les pollutions d'informations euh, euh, qui vous bombardent toute la journée. Et ben maintenant, ben voilà, je, je priorise, donc je lis... Euh, les messages de mes lecteurs, par exemple, ça c'est une priorité pour moi. Je, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, j'en profite pour m'en excuser auprès de vous. Mais, mais en, en revanche, je, euh, je lis tous les messages parce que c'est une vraie priorité. Le matin, je me réveille, j'aime méditer un peu. Et puis après, j'aime bien me nourrir de vos messages, ça me booste. Donc je lis tous les messages. Mais j'ai aussi mis en priorité que je ne pouvais pas répondre à tout le monde, sinon je passerais ma journée à vous répondre et, et de fait, je ne pourrais plus rien vous proposer derrière. Donc la cure numérique, c'est vraiment d'être sur ce qui est important pour vous, mais après, ben, là où je passais beaucoup de temps à regarder des trucs sur les réseaux, etc., ben, ça je ne le fais plus parce que j'ai plus le temps. Et si je le fais, ben, qu'est-ce qui qu qu se passe Je sais aussi que ça va m'enlever euh, du temps pour faire des choses qui sont importantes pour moi. Donc ne vous laissez pas abrutir par toute cette pollution d'informations, parce que sinon on pourrait passer des heures et des heures à regarder d'un réseau à l'autre. Euh, il y a mille choses maintenant, on est très très sollicité. Donc faites cette cure-là, voyez ce qui est important pour vous, et encore une fois, bien sûr que les réseaux sont, sont importants. Quand je parle de réseaux, c'est aussi bien les réseaux sociaux que la télévision, que, que les journaux, enfin plein de choses qui font que, là encore, on peut vite se laisser envahir. Par exemple, les informations, moi j'aime écouter les titres très rapidement, mais c'est cinq minutes par jour, et puis une fois que j'ai les titres, j'ai mes informations. Si on commence à écouter en boucle, ben, ça devient anxiogène, et, et puis ben, voilà, on se laisse un peu polluer. Et enfin, la quatrième clé que j'aimerais partager avec vous pour arriver à dépasser ça, c'est faire que non soit votre réponse par défaut. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous dites non à tout ce qui ne rentre pas dans vos priorités, vous allez vous rendre compte que, eh bien, vous commencez par dire non, vous vous posez, et puis naturellement, vous pourrez faire le tri. Donc, si vous prenez le temps, petit à petit, de bien trier, euh, de faire que non c'est votre réponse par défaut. Et ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas oui à la vie, c'est juste qu'on dit non à, malgré le fait qu'il y ait des projets hyper passionnants dans tous les domaines, Eh bien vous allez pouvoir vous centrer vraiment sur ce qui est, ce qui est important pour vous. Alors dites-vous bien qu'il y aura toujours, toujours une anxiété à dire non, que c'est pas instinctif. Pourquoi Parce qu'on a besoin de plaire à tout le monde. Le problème, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et encore une fois, bah, ce sera toujours... Euh Parfois des blocages, ce sera toujours euh, difficile. Mais comme de dire non à un enfant quand il veut, euh, il veut toujours aller plus loin. Eh bien évidemment, euh, c'est très difficile de dire non à un enfant. On aimerait lui faire tout le temps plaisir parce que le retour immédiat, c'est d'un enfant qui est très cash. C'est bon, bah, t'es pas gentil et je t'aime pas. Et ça, c'est très douloureux pour nous de l'entendre. J'aimerais d'ailleurs partager une phrase euh, d'Oprah Winfrey que je trouve très inspirante. Déjà le personnage et cette phrase m'aide beaucoup. Euh, une fois, j'ai entendu, elle disait "Non est une phrase complète." Non est une phrase complète. C'est de retenir ça parce que on n'a pas toujours besoin de se justifier dans tout ce qu'on fait. Si vous dites non avec un non qui est bien aligné, vous êtes au bon endroit. Voilà. Alors j'aimerais vous rappeler la clé numéro 5, comme je vous disais tout à l'heure, qui est sans doute la plus importante savoir dire non, c'est se dire oui à soi. Et toi, Hélène, si je reviens à ta lettre et merci pour ça, merci de, encore une fois de cette authenticité, de vous mettre à nu avec avec toutes ces, ces demandes et ces témoignages. Eh bien, je crois que effectivement, là, tu mérites maintenant de te dire oui à toi, parce que là, ton corps, ta santé, et même tout ce que tu as apporté, n'est plus en bon endroit. Si tu commences petit à petit à dire non à ce qui est superflu, et même si bah, ton patron euh, qui fait les choses pour toi, et que tu aimes beaucoup, et à qui tu veux faire plaisir, bah, t'en ramène et t'en ramène, il faut bien savoir que en face, on ne sait pas forcément où est la limite de l'autre. Donc si toi, tout simplement, tu expliques que ta limite, elle est là et que bah, tu vas faire un très bon boulot sur ce que tu es en mesure de prendre, donc de dire oui, eh bien tu verras que naturellement, le reste va se transformer et il y a peut-être des projets qui seront abandonnés, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de projets, mais qualitatifs, que de dire oui à tout et qu'au final, tout saute et, et que tout tombe, finalement. Donc rappelez-vous bien et pensez à vous. Vous le méritez vraiment. Dites-vous oui à vous. En disant non aux autres, vous vous ouvrez à vous-même. Savoir dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Voilà, j'espère que ces quelques clés vous auront aidé. Merci encore. J'attends toutes vos autres demandes. On va essayer de répondre à un maximum de demandes. Donc n'hésitez pas. À très bientôt. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Mode Ankawa, ou consulter mon site internet mode ankawacom N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast à vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie, ravie de vous retrouver en librairie pour mes deux romans « Kilomètre zéro » et « Respire, le plan est toujours parfait ». Un grand, grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et Cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudor.